la nouvelle tueuse, Rin, la fille unique d'un père assassin, revenu en esprit vengeur. Et avec la combinaison suivante... Oh, dans la pire map du monde. Alors, avec une combinaison plutôt différente de... Oh, j'en ai vu juste en face. Juste là. Je sais que t'es là. Je sais qu'il y a quelqu'un juste là. Il y a quelqu'un juste ici. Les trois compétences de la tueuse sont les suivantes, à la base. Les trois compétences... consiste à piéger d'une part des palettes, d'autre part des totems, et enfin oh, ok, pas mal, mon délire. Trois compétences donc spécifiques à non mais non, 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 hors de question que je te laisse en vie. Une femme de peu de foi. J'ai aucune raison, tu n'as pas spécialement brillé. Oh, coup décisif. La mort. Non, 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 non. Tu ne vas certainement pas la pousser à vivre, non. Donc, il y a trois compétences spécifiques à la tueuse. Première, c'est le soutien de l'entité, qui consiste à détruire les palettes si par exemple il y en a trop qui lui tombent sur le coin du nez. Deuxième compétence spécifique qui consiste à... Non. Non, je suis désolé. Je suis navré, non. Non. Fais pas ça. Non. Non. Tu livres la partie, s'il te plaît. Je ne sais pas, mais tu ne fais pas ça. Dis donc. Je te vois, homme de peu de foi. Salut. 9. Très bien. Tu vas sortir par là. Théorie. Ok. Est-ce que tu... Oh, tu es juste ici. Salut. Je sais que tu pleures par là. Donc, deuxième compétence, de piger des totems. Donc ça va très bien généralement avec Ruine. Ruine, c'est une compétence qui ensorcelle les totems, qui consiste à rendre la progression de la réparation des moteurs beaucoup plus délicate. Et enfin... Oula, je ne sais pas où est le dernier... survivant, on va essayer de pas camper, c'est d'aller les chercher. Oh, j'ai les épaules trop larges. L'esprit vengeur a pris trop de kilos, ne peut pas passer ces énormes rochers. Oui, exactement. C'est en train de réparer là, non. Ah. Très bien. Alors, donc, où êtes-vous? Petit choupinou. Ok, tout. Oh, je crois que j'ai vu des fesses dépasser du buisson. On va se retrouver juste de l'autre côté. Genre juste par là. Je te vois, hein. Je te vois absolument. C'est vrai. Et la troisième compétence, donc je disais, qui consiste à être obsédé par un survivant en particulier. Et améliorer cette compétence permet d'exécuter soi-même le survivant lorsque l'électricité est rétablie dans les générateurs. Ce que j'ai évité juste ici. Donc ce sont les trois compétences de base et la capacité spéciale du tueur, comme vous pouvez le voir ici, consiste à... consiste... Elle est juste dans le coin. Oh, elle est juste ici. C'est pas très bien, ça. Oh, non. C'était faux.
Et donc, ce sont les trois compétences de base de la tueuse. Et donc là, j'ai pris une autre constitution, une autre combinaison de la tueuse, en prenant par exemple une compétence qui s'appelle ruine, pour la combiner au piège des totems. Ça, c'est pas très très gentil de faire ça. Bah oui, j'ai frappé le tronc juste pour lui faire peur. Et là, j'ai frappé rien du tout pour lui faire peur aussi. Bon, je vais y retourner juste après. Je vais d'abord casser le moteur. C'était hors de question de le laisser dans sa progression. Enfin, plutôt. Là, il y a notre moteur qui va pas tarder à être réparé. Qui est juste en face, là. Juste en face, là. On va y aller en allant à travers le monde des esprits. Genre comme ça. Oh, non. D'habitude, ce qui se passe, les survivants reviennent toujours. Absolument. Toujours. Sur leur pas. C'est un tic, un toc qu'ils ont. Regardez, hop là. Donc, là, j'ai combiné deux sorcelleries de sortilèges. Le premier étant la ruine. La ruine, c'est ce qui permet d'empêcher la progression des survivants sur les moteurs. Et deuxième combinaison, c'est justement le piège. C'est-à-dire que s'ils détruisent un totem ensorcelé, et que c'est le piège tant espéré, ce qui va se passer, c'est que ils sont « tuables », entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut les mettre dans un état critique pendant 60 secondes. Soit je dis 60, mais évidemment, c'est en fonction de l'amélioration de la compétence. Oh. Donc là, je suis dans une... ok, il est tombé. De l'autre côté, j'ai entendu faire « Ah, où es-tu, petit patapon? Je t'ai entendu faire « Ah, ah. Non. Juste ici, tu es dans le coin. Je sais. Je sens l'odeur des imperméables. Surtout que celui-là est neuf. Tu l'as volé. Non. Oh, ok. Elle a détruit un totem, et le totem qui était détruit, c'est celui de la ruine. Donc ils vont pouvoir maintenant désormais réparer les moteurs en toute impunité, bande de saligots. Et moi, je vais devoir vite les trouver, parce que là, à partir de maintenant, c'est une course à la montre. Il y avait une chance sur 3 parce que les totems piégés étaient de l'ordre de 2, et la ruine était de l'ordre de 1 totem. Donc on va les chercher. Où êtes-vous, bande de petits chenapans? Ah, il a quand même bien été réduit, celui-là, de moteur. Là, je suis tellement dans une perspective avec la vitesse. Parce que c'est pas de la téléportation, en vérité. Hein. Ah, les voilà. Petite choupinette des bois. Tu vois, c'est où tu vas. Je vais pas me téléporter, c'est le fait de se déplacer très vite en allant à travers le monde des esprits. Donc, je ne la vois plus quand je suis dans le monde des esprits. Et je sais qu'elle est... dans le coin. Je sais qu'elle est dans le coin, qu'elle est un genre... Oh, parti par où? Tu es parti vite. Dieu, quel genre de ninja es-tu? Elle est partie à l'intérieur. Non, j'ai une autre compétence là, murmure, qui m'indique si oui ou non le survivant est dans le périmètre. Donc en l'occurrence, c'est là, oui. Il est dans le périmètre. C'est un peu la game de l'infini. Je sais qu'elle est dans le coin. Je sais qu'elle se joue de moi. Je n'ai qu'à suivre les murmures de maman m'indiquant où se trouve... Ah ! Quelle saugrenue idée. Jean-Michel. Imperméable. Dis donc. Puis en plus, il est venu en courant. Ne faites pas ça ! Ne faites pas du tout ça. Jamais. Jamais. Ne faites ça. Et là, je vais juste pouvoir courir en dehors du périmètre de la présence de celui que j'ai accroché pour voir si elle est dans le coin. Elle a dû s'éloigner suffisamment pour tenter de réparer un autre moteur. Donc, je vais à l'autre bout de la map en espérant qu'elle se trouve là. Ce qui n'est pas le cas, elle va probablement le libérer dans quelques secondes. 3.
Non, c'est lui-même qui s'est libéré. C'est lié à une compétence spécifique du nouveau survivant qui consiste à... Salut mon gars. Ah non, t'as commis encore l'erreur. T'as vraiment fait ça? Non. Deux fois de suite. Mec. Mec, c'est pas vrai. Ne fais pas ça. C'est pas possible. Tu peux pas. Et de la dignité pour tous les petits enfants imperméables que tu portes en toi. On va voir si Madame est revenue dans le coin. Non, en l'occurrence, pas du tout. Par contre, Madame ne peut pas chercher la trappe, malheureusement. Pour la simple et bonne raison que non, il ne reste encore qu'un moteur. Ah, elle est dans le coin ici. Maman qui me l'a dit. Je sais que tu es là. Je sais que tu dois être derrière un arbre, pas loin, en te disant que tu es à l'abri. Ce qui est parfaitement faux. Tu dois faire dans ton pantalon. Probablement. Où est-ce que tu es? Tu es dans le coin. Ah non, tu dois être à l'intérieur là. Tu dois être ici. Non, t'as fait. Non. Ah! J'ai maman qui m'a dit que t'es plus là. Alors, on va y aller en mode téléport. Let's go. Un téléport, c'est pas vraiment la téléportation, c'est de la vitesse à travers le monde des esprits. Il est bien pensé, ce tueur, parce que il est plutôt équilibré. C'est dans le coin là. Non. Non, j'ai pas de memento, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Elle doit absolument réparer. Ah, elle est dans le coin ici, je te vois. Attention! 1, 2, 3. Soleil! Oh my bidule. Exécution en japonais. Yes. John Cena. Ça marche mieux John Cena que... Oh my chaud. Shinderu. Ah, elle a aucune autre forme de procès à part l'exécution sommaire. La vraie. Pas de 4% pour les... Braves. Bah, manière de parler.